Lou Pernot était invité dans l'émission Chez Jordan sur C8 ce jeudi 16 mars 2023. La fille de Jean-Pierre Pernot s'est laissée aller à plusieurs confidences concernant sa vie sans son père, mais aussi ses problèmes de santé persistants responsables de sa récente prise de poids. Depuis quelques années déjà, Lou Pernot est très active sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, elle ne manque pas de partager avec ses nombreux abonnés quelques moments de sa vie. Résultat, elle empoche tous les mois des revenus très confortables du haut de ses 20 ans. Mais être populaire sur les plateformes, en plus d'être la fille de Jean-Pierre Pernot, a parfois des conséquences. En effet, elle est souvent sous le feu des critiques suite à sa récente prise de poids. De passage dans l'émission Chez Jordan sur C8 ce jeudi 16 mars, elle s'est confiée sur ses problèmes de santé et sur les remarques qu'elle peut recevoir. Lou Pernot a des lésions au foie. Lou Pernot a depuis quelque temps des problèmes de santé, si est-il la raison pour laquelle elle a pris du poids. J'ai fait des prises de sang, confie-t-elle à Jordan de Luxe. Et d'après les résultats de ses examens, il se pourrait bien qu'elle ait des lésions au foie. Par conséquent, cela aurait un impact sur son métabolisme. Mon corps n'assimile pas hyper bien des trucs, explique-t-elle, même si elle assure qu'elle ne mange pas mal. Si est-il pourquoi, elle ne se lance pas dans des régimes pour le moment. Il faut que je check ça avant de pouvoir faire quoi que ce soit, précise la fille de Nathalie Marquet-Pernot. Toutefois, elle rassure, tout va bien. Tout va bien se passer. Les critiques ne l'atteignent pas, si tu ne m'aimes pas, tant pis. Malgré son poids qui est parfois critiqué, Lou Pernot ne souhaite pas se lancer dans des régimes trop stricts. Le problème est qu'on est dans une société où à 14 ans, on va te dire, il faut que tu fasses 45 kilos. Si tu commences à faire des régimes à cet âge-là, si est-il plus tard que tu vas compenser et que tu vas prendre du poids, détaille celle qui n'est pas pour autant complexée. Je m'en fous en fait. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Si tu ne m'aimes pas, tant pis, balance-t-elle à ses détracteurs qui n'ont pas hésité à la traiter de grosse obèse. À lire aussi, Lou Pernot dévoile le montant de ses gros revenus grâce aux réseaux sociaux.